Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis pardon, la petite robe à volant avec son étole qui se présente comme ceci. C'est un très joli point. Hop, mais vraiment tout simple à faire. Et la robe aussi, ne vous inquiétez pas, les petits volants, c'est tout simple à faire également. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin d'un crochet 1,75 et alors une pelote de Ella mercerisé, donc de chez Zeman, qui fait 100 grammes pour 250 mètres. Alors dans ce modèle-ci, j'ai fait tout uni, et puis là pour le tuto, j'ai voulu faire la robe, donc dans ces tons là, un petit peu bleu crème moutarde. Et l'étole, je l'ai fait dans ce ton-là, qui est un gris bleu foncé. On voit pas bien la caméra, mais bon. Donc voilà, comme d'habitude, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Alors, pour commencer, donc vous allez venir monter une chaînette de 23 mailles en l'air, et ceux qui me suivent, donc moi je démarre toujours par mes deux mailles en l'air qui ne comptent pas, et dans ce premier rond, donc moi dans la troisième maille, je vais faire une bride. Donc là j'ai fait ma première bride. Le premier rang, vous allez faire 23 brides individuelles. Donc 23 brides individuelles pour le rang. Donc j'ai fini le rang numéro 1 et donc vous obtenez 23 brides individuelles. Pour le rang numéro 2, donc mes deux mailles en l'air qui ne comptent pas, vous allez venir faire 3 brides individuelles. Donc 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc deux brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 3 brides individuelles. Dans la suivante, une augmentation, deux brides dans la même maille, 7 brides individuelles, 4, 5, 6, 7, et on va recommencer comme au début, donc une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, et on termine avec 3 brides individuelles, donc 2 et 3.
pour le rang suivant, donc mes deux mailles en l'air, je tourne, vous allez faire 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. À nouveau, 3 brides individuelles. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et là, vous allez venir faire 11 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 et 11. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et vous terminez par 3 brides individuelles. 2 et 3. Mes deux mailles en l'air, je retourne. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire 6 brides individuelles. 2. 6. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 2, 3, 4 et 5. Dans la suivante, une augmentation. Toujours 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, donc toujours les deux brides dans la même maille. Et vous terminez par 6 brides individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang numéro 5, vous allez venir faire 6 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation. Deux brides dans la même maille,
Ensuite, 10 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, à nouveau 10 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la suivante, une augmentation, toujours nos 2 brides dans la même maille, et vous terminez par 6 brides individuelles. Et 6. Donc là, on va venir fermer de l'autre côté par une maille coulée. Et là, on va commencer à faire notre premier volant. Donc là, vous allez venir faire des brides uniquement dans le brin avant. Donc le brin avant, c'est le brin tout de suite devant vous. Vous voyez, vous avez les 2 brins. Et nous, on va prendre uniquement le brin avant. Donc moi, je commence comme d'habitude avec mes 2 mailles en l'air. Et là, vous allez venir faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, brin avant. Et vous allez venir faire 2 brides dans ce brin avant, le brin suivant, 2 brides dans ce même brin, et là vous allez répéter ça tout le tour, donc des augmentations dans chacune des mailles. Donc j'ai fini mon rang avec mes augmentations dans chaque maille, et pour le rang suivant vous allez venir faire un rang de brides individuelles normales, donc tout le tour que des brides individuelles. Donc là, j'ai terminé mon rang de brides et là, je vais venir faire mon rang de finition. Donc vous faites le point que vous aimez bien. Moi, mon point fétiche, je fais ma maille en l'air et une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et je vais venir faire la finition tout autour. Après, je vais arrêter le fil et on verra pour la suite. Donc là, j'ai fini mon rang de finition. J'ai rentré mon fil. Donc vous allez prendre
le fil et là on va venir faire le volant en dessous. Donc là je viens piquer dans ma première maille. Donc moi je commence comme d'habitude avec mes deux mailles en l'air et donc je vais venir faire donc comme tout à l'heure le premier rang des augmentations dans toutes les mailles, donc deux brides. Dans chaque maille. Hop. Vous repliez bien le volant et là vous voyez bien votre brin arrière et donc tout le long des augmentations, donc deux brides dans chaque maille. Donc là j'ai fini mon premier rang d'augmentation. Pour le rang suivant, vous allez venir répéter tout le long du rang. Vous allez venir faire dans la première maille une bride, dans la suivante une augmentation, donc deux brides dans la même maille, dans la suivante une bride individuelle, dans la suivante, une augmentation, deux brides dans la même maille. Et vous allez venir répéter cette séquence tout le long du rang. Une bride individuelle, une augmentation, une bride individuelle, une augmentation. Alors, j'ai fini mon rang numéro 2. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est 4 rangs de brides individuelles. Donc vous venez faire des brides dans chaque bride. Hop. Donc vous répétez ça tout le long des brides individuelles et vous venez faire 4 rangs au total et on se retrouve après. Alors, j'ai fini mes 4 rangs de brides individuelles. Et donc là, je vais faire mon rang de finition. Donc, comme tout à l'heure, une maille en l'air et une maille coulée. Une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et après, je pourrais arrêter et rentrer le fil. Je fais tout ça et on se retrouve. Donc là, j'ai fini de faire le bas de la robe. J'ai rentré mes fils. Donc là, on va venir reprendre le haut. Donc, vous piquez dans la première bride, et puis j'essaie d'attraper mes deux fils. Donc moi comme toujours mes deux mailles en l'air, et alors là vous allez venir faire pour ce premier rang donc 7 brides individuelles, donc 1, 2, 3, 4.
7. Vu que je rentre les fils en même temps, c'est un petit peu plus pénible. Ensuite, dans la suivante, une augmentation. Donc deux brides dans la même maille. 7 brides individuelles. 2. Quatre, cinq, six, sept. Dans la suivante, une augmentation, donc deux brides dans la même maille, et vous terminez par sept brides individuelles. 6 et 7. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 8 brides individuelles. 5, 6, 7, 8. Dans la suivante, une augmentation, donc deux brides dans la même maille. Ensuite, vous venez faire 7 brides individuelles. 7. Dans la suivante, une augmentation, deux brides dans la même maille, et vous terminez par 8 brides individuelles. 3, 4, 5, 6. Et 8. On retourne pour le troisième rang. Vous allez venir faire 9 brides individuelles. 7, 8, 9. Dans la suivante, une augmentation, donc deux brides dans la même maille, 7 brides individuelles, 7. Dans la suivante, une augmentation, deux brides dans la même maille, et vous terminez par 9 brides individuelles. 3, 4, 5, 6. 7, 8,
et 9. Pour le rang numéro 4, une maille en l'air, on retourne et vous allez venir faire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez sauter la maille suivante et dans la deuxième, vous allez venir faire 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 3, 4 et 5. Vous allez sauter une maille et vous allez venir faire 3 mailles serrées individuelles. On saute une maille et dans la suivante, à nouveau 5 brides. Donc 5 brides dans la même maille. 3, 4, 5. Vous sautez une maille et vous terminez par 10 mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte avec une maille en l'air, on retourne. Et pour le dernier rang, vous allez faire 9 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez sauter une maille et là on va travailler dans les brides. Vous allez venir faire, donc vous sautez la maille, dans la première bride vous allez faire une augmentation, donc deux brides dans la même maille, dans la suivante une bride individuelle, dans la suivante une augmentation, deux brides dans la même maille, dans la suivante une bride individuelle et dans la dernière une augmentation, donc toujours deux brides dans la même maille. Vous avez vos trois mailles serrées, vous sautez une, dans celle du milieu vous faites une maille serrée et on recommence, on saute une maille, dans la première bride une augmentation, donc deux brides dans la même maille, dans la suivante une bride individuelle, dans la suivante une augmentation, deux brides dans la même maille, dans la suivante une bride individuelle et dans la dernière une augmentation, donc deux brides dans la même maille. Vous sautez une maille et vous allez finir par vos 9 mailles serrées individuelles. Et 9. Donc là, ma robe est presque terminée. Je vais venir faire le tour, je vais placer deux boutonnières, je vais faire des mailles coulées et je vais remonter
sur l'autre tour en maille coulée également. Donc là j'en avais mis une en haut et une juste après le raccord, donc juste en dessous à la taille. Donc je vais faire la même chose. Donc là je vais refaire une maille serrée, là je viens faire une maille coulée, je vais venir faire ma première boutonnière, donc 4 mailles en l'air, et je vais sauter la bride et je vais venir me placer là et faire ma maille coulée. Dans ma bride, une maille coulée, dans le petit trou, une maille coulée, dans le trou de la bride, une maille coulée, etc. Jusqu'à ma deuxième boutonnière, je vais la placer alors là c'est mon raccord, je vais la placer là, donc 1 2 3 4, je saute la bride et dans le petit trou une maille coulée, et je continue dans le trou de la bride, une maille coulée, dans le petit trou là une maille coulée, etc. jusqu'à ce que j'arrive en bas. Alors vous pouvez faire des mailles coulées ou faire des mailles serrées, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est comme vous préférez. Donc là, une maille coulée dans ma bride. Là, je vais venir faire une maille coulée ici, au milieu. Et je vais remonter de l'autre côté, une maille dans le trou de la bride, une maille dans le trou, dans la bride, dans le trou, etc. jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Hop, dans la bride, dans le petit trou là, dans la bride. Dans la bride, et là je vais couper mon fil. Je vais laisser une petite longueur pour pouvoir coudre mes deux boutons. Donc j'arrête, hop, je vais rentrer mon fil proprement, mettre mes deux boutons. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Et puis, je vous montrerai à la fin le résultat. Alors là, nous avons fini la robe et vous allez pouvoir faire l'étole. Donc, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas beaucoup de mailles, pas beaucoup de rangs. J'ai choisi de la faire dans un coloris un petit peu gris foncé bleu pour aller avec la robe. Donc c'est la Ella et c'est la couleur numéro 80. Alors pour faire l'étole, vous aurez besoin, alors moi je monte la maille chaînette avec un crochet numéro 2, donc faut pas que les mailles soient serrées en bas, sinon ça va faire un petit pli pas joli. Donc moi je la monte en numéro 2, après on utilise le crochet toujours 1,75. Si vous arrivez à faire les mailles lâches, il n'y a pas de souci, vous prenez du 1,75. Moi je préfère prendre le numéro 2.
Alors, hop. Essayer de trouver la bouboule. Quick. Alors, je défais mon nœud et je vous retrouve. Alors, j'ai défait mon nœud. Personnellement, je prends toujours le fil au milieu de la pelote. Donc après, chacun, pareil, fait comme il veut. Donc, j'ai fait mon nœud coulant. Et là, avec mon crochet numéro 2, donc pour faire ma machina du début, vous allez venir faire donc 12 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc là, je vais venir prendre mon crochet en 75. Et là, vous allez venir faire 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc 1, 2, 3. Ensuite, dans la sixième maille à partir du crochet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez venir faire donc toujours dans cette sixième maille deux brides. Donc ça va être des points V simples et des points en V double. Donc deux brides, une maille en l'air et toujours dans la même maille, vous revenez faire deux brides. Vous allez venir sauter deux mailles, donc une, deux, et dans la troisième, vous allez venir faire une bride, une maille en l'air, et à nouveau une bride. On saute à nouveau deux mailles et dans la troisième deux brides. Une maille en l'air et dans la même maille à nouveau deux brides. Vous allez sauter deux mailles et dans la dernière des 12 mailles, vous allez venir faire tout simplement une bride. Pour le rang numéro 2 et pour tous les autres rangs, on va répéter. Donc, 3 mailles en l'air, ça équivaut à la première des brides. Dans la maille en l'air, dans le trou, vous allez venir faire, donc on est là, deux brides, une maille en l'air, deux brides. Donc on reproduit le schéma, donc deux brides, une maille en l'air, deux brides. Dans le V suivant, vous voyez qu'on a une bride, une maille en l'air et une bride. Donc on refait la même chose. Dans la troisième, on a deux brides, une maille en l'air et à nouveau deux brides. Et on finit par, dans la dernière des mailles, donc les 3 mailles en l'air, donc c'est une bride. Donc vous allez venir répéter exactement la même chose, donc deux brides, une maille en l'air, deux brides, une bride, une maille en l'air, une bride, deux brides, une maille en l'air, deux brides, et les brides de chaque côté. Et vous allez monter, vous allez faire un total de 25 rangs. Je fais la même chose et je vous retrouve pour le rang
de finition. Donc là, je viens juste de finir mes 25 rangs. Et donc, pour le dernier rang, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Donc, vous tournez. Dans le trou du premier V, une maille serrée. À nouveau, 3 mailles en l'air. Dans le trou, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans le trou, une maille serrée. Et 3 mailles en l'air. Et dans la dernière bride, une maille serrée. Et voilà, vous pouvez arrêter le travail. Et voilà donc ce que ça donne une fois fini. Donc je vais rentrer les fils, habiller ma petite poupée et puis vous montrer le résultat. Alors voilà, je vous ai mis la robe et l'étole. Donc je vous l'ai mis sur une poupée fashion royalty. Donc elle a, comme dirait mon fils, des plus gros B, des plus gros boobs, mais ça rentre quand même. Je pense que la prochaine fois avec avec ces boutons, je ferai 5 mailles en l'air et non pas 4 pour avoir plus de facilité à fermer la robe. Mais sinon, c'est voilà, ça ferme bien, c'est nickel. Il n'y a aucun souci. Le tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne, mettre un j'aime. Et puis, ce que je suis en train de faire, je ne vous ai pas mis la poupée de d'habitude. C'est ma poupée fétiche. Je vais vous faire une très courte vidéo de mes Barbies chez le coiffeur. Vous allez voir ça, mais ça ira vraiment très très vite. C'est vraiment une mini vidéo. Et si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, vous pourrez me le mettre en commentaire sous la vidéo, mais je vous redirai tout ça. Écoutez, je vous retrouve pour un prochain tuto. Le prochain, ce sera tricot. J'essaye de faire un tuto crochet, un tuto tricot pour que ça plaise un petit peu à tout le monde. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Belle journée à tous.